Ça veut dire yon son lè qui arrête, qui condamne notre classe dans tout compte, sans qu'il n'y ait pas même baye ça le tap d'importance dans la justice haïtienne. C'est États-Unis qui a baye ça le tap d'importance. Mais devant la justice haïtienne, nous ne pouvons jamais baye ça le tap d'importance. Parce qu'il y a un affaire avec un gros bois. Et là, dalle, pour nous dire ça, sénateur, sénateur sont gouir, dans des messieurs hier. Je dis le juge là, oui. Oui, il m'a dit ça. Oui, comment le relais oui, juge là? Ça, oui. La justice, ça, c'est une grosse cause, oui. C'est un peu plus de ton dossier pour être à la relais juge là. C'est pour dire pas qu'à la guerre, pas qu'à c'est juge là pour décider de la faire. Jacques Blessé. Bon, bon, bon. Où ou est trafic d'influence à délivrer? C'est un peu caché. Comment le relais juge là? Ouais, ok, ouais, ça va dire. Pour le relais juge, même sous des sénateurs. Côté chasson de maison Rivière. Chasson dit que yon c'est un membre dans la gang, n'a pas de gazam. Qui peut qu'on gazam? Yon yon t'es un petit soldat. Un petit soldat qui te compte by guidon. Ça veut dire c'est négli côté des dollars qui te gazam. On allait. Mais, gen bon communication, gen bon rapport entre famille yon et famille sénateurs et sénateurs. Yon sont même côté. Ah bon? Sénateurs qui était ancien commissaire gouvernement à l'époque qui était tout puissant, qui était très populaire avec Omar Aizokike, sénateur. Il était fait appel ensemble avec famille yon, côté que yon te relé yon pour lui, yon te joint yon entente pour yon fonctionner ensemble. Comment je nous entente pour fonctionner ensemble? Non, pas comprendre. Côté qu'il était déplacé yon la ville dans gang 117. Mais il te mette le chef gang la caille pas en pleine. Non, t'es pas de pas de famille lui, ou pas de famille lui, Chelson. Faut grand péché Chelson. Non. Donc, tu blague là. Ou tu famille. Moi même ça me connaît, oui m'a dit non. Non, on blague on parle. Cause on blague au gonèg. Ou dit gérer les familles. Famille yon. Famille. Pour chercher une entente. C'est long. Oui, pour chercher une entente. Pour fonctionner ensemble. Comment pour fonctionner ensemble? Pour yon quitté gang 117 là, côté que yon pas bien traité. Pour yon fonctionner avec la roue sénatrice. Lise chauffeur, yon pas même balsam. Ma palo baga yon te dit pour te même à l'États-Unis. Oui, oui, oui. Dans prison quoi des bouquets. Tout ça m'a dit là, c'est dans prison quoi des bouquets. Ma prenne yon. Mais c'est pas tant pénitence parce que nous pas de compte échanger pénitence, nous pas de même côté. Mais quoi des bouquets, nous te même côté. Ok. Il a ou dit que famille, le sénatrice pour rencontrer avec famille. Gang la son gang la famille qu'elle est, oui. Ah bon? Oh. T'as déjà son gang la famille. Gang c'est gang la famille, oui. Les vignes étrangers dans gang ça. C'est la prison quoi des bouts qui a été vignes crasé. C'est la prison quoi des bouts qui a été vignes crasé. 10 août 2014, t'es grand pile prisonnier qu'elle la donne. Avec 25 février 2021, qu'elle la donne qui vient de venir remplir, de venir ballon 400 maroso. Mais gang la terre, elle est exacte. C'est vrai, ça, il y a gagné, alors qu'il couvre lui, gagné. Ça que t'es quitté base à quitter Saint-Domingue. David. Monsieur Dédi. David. Non, c'est vous. C'est soit dit à la Zévia, parce que je me souviens. Gang l'intérêt est exact. L'intérêt est la donne, zo. L'intérêt est la donne, Abraham. L'intérêt est la donne, Edison, c'est bon nom, c'est Augustin Morel. Il était gagné là-dedans, Jean Rocky. Gang l'anté Texas. Il porte qu'au Jean 400 maroze. Ça veut dire, les gangs ça te vient monter, c'est long yon. Ou sénateur pas dit, c'est moi qui a bagay. Parce que, non, même c'est bagay qui a parlé dans la prison. C'est long yon, sénateur a te mandé yon. Pour lui te mette gang ça campé, non pleinement pour lui, mais c'est pas dans l'idée. Pour te alcasser à faire moun, pour voler à faire moun. Sénateur qui m'a dit, yon vous mettez en groupe, en groupe, t'as pas de gang même, pour élection. L'été armé, yon, attendez, moi m'a dit, ça qui m'a attendu, m'a dit, ça qui m'a attendu, ça qui m'a dit, nous. Sénateur a été entendu avec lui pour lui te mettre équipe ça à camper en plein, non, c'est pas pour voler. Ok? Pour élection. C'est pas pour voler, mais c'était pour te bailler sénateur en service avec équipe sénateur en service. À chaque fois qu'il y a une élection. À condition, n'importe candidat à la présidence, te mettre vini dans plein nan, depuis c'est pas avec sénateur, vini gang nan pas qu'on elle. Et gen côté tout, li pas capable de faire. Est-ce que c'est comme ça que Zam Galvi Kalbrel vini tomber dans mes yon? C'était comme ça. Bien avancé là, on va comprendre là. Dis-nous. C'était comme ça, yon ta pral commencé avec yon physique calibre 12,
avec deux pistolets calibre 9 mm. Il va dire qu'est-ce qui te balil? C'était Zam Samdou, il dit, sénateur, sénatiste, qui était candidat, qui était le candidat à l'époque de Bali. Il était mettait en plein, c'est mettait le campé en plein, non. C'est Samdou, oui. C'est la femme divine là. L'elte mette au campé, l'elte mette au campé, Amdou te gagne Germine Jolie aliasyon yon, te gagne Jean Rocky, te gagne Augustin Morel alias Edison, te gagne te gagne Zo, David Villian après. Ça que t'as parlé, David Villian après. Ok. David Villian après. Son petit gang très minime, très minime. Ok. Yo te gen en face yo yon lot gang qui sont lot gang familial encore qui relè 17 euros. 17 euros. C'était dans 17 euros ça où te joine chien méchant. Où te joine Gilbert Joseph. C'était dans 17 euros. Qui parle Next ça yo c'était mon Tolbert Alexis qui était. Ah bon? Qui a arrêté Tolbert et qu'on libéré yo tout. M'avait dit. Chasson l'op kase. Sacha son ap di nou la, c'est vérité absolue, oui. Tout moun la plein ka explique nou li jamais sa ban nou la. Il pas jote ki gen la, non? Nous de tan démissionner, oui. Mais parce que groupe sa tap dirige le pat tout sénatiste, sénatiste vin mette équipe pal, mais moi précise pour nous pour me dire nous, li pat mette yo pour yo te volé. Li te mette yo pour te utiliser yo à chaque contexte électoral. Vous suivez. Yon yon koun ya vin ap soufri. Ok. Zam yo gen tan amel. Nèg yo te kon bal kòb chaque samedi. L'elte nan 117. Yo te kon fè payòl pou li chaque samedi. Sénatè a vin ap jere li yon fason ki pi rap ya ke jan te rè nan 117. OK. Sénatè sénatis kap. Li gen kontra yi 117 li pa ka tounen nan 117 pou patouyèl. Plus l'el pap kite 117 li te vol, li te volè yon revolver calibre 357. Ça devin gen d'ailleurs net avait dit en face net yo t'es obligé tout rester dans plein là il t'est campé il dit fuck lui même les nourrit c'était comme ça yo t'es connu en fait braquage suivez yo t'es connu prendre bête monde parfois il y a le baillon dans market yo tout coche baillon dans market pas de bagage ça fait kidnapping ça fait nèg casser banque pas de bagage comme ça sénateur sénatrice vient à baillon yon lord yo vient pas prendre lord OK Yo vin pa pran lòt kounya te vin gen yon gèl ki deklare. Pou senate a te vin proteje tèt li kounya se swa ke yon mouri ou bien la la prizon. Tèt chat. Mais pa ou. Et c'est là que pral conduit yon nan prizon. C'est ça qui pral mené Germine Joly nan prizon. Kote ke yon droit même droit ta pral violé. Kote ke cause on parle là nos chansons. Ouais sénateur a dit il t'est les juges là moi me pas connais les juges là mais yon te gen tan dis moi avec en pile avec plusieurs autres prisonniers que lève rive devant juge là greffier juge là avec juge là a écrit avec un téléphone dans oreille yo demandé le comment le OK nan moins que yon mois entre 27 29 jours comme ça ordonnance la sorti. Dans quelques mois, yon condamné à perpétuité. Rapide, gars. Ah non, alors là, même sénateur a dit ça. Non, ça me donne pas de bien. Là, sénateur, soit dit là, sénateur a dit, sénateur a dit, il était relé. Juge là, qui a traité dossier, qui t'a libéré. Alors, dès qu'il y a information, peut-être, il dit, yon va libérer, il relé, juge là. Il dit, sous libéré, yon, m'pap sénateur encore. M'pap tout passé. C'est pas non, mais, je suis pas juge là. Pour gérer dossier ça. Ce juge là c'est après le fin bas la sénateur comme si il condamné yon à vie pour prison. C'est pas seulement pas sénateur encore. Alors moi répéter ça dit ça me donne des pendant yon formé gang ça sous leadership sénateur Zokiki selon lui-même. Il était monté là avec une équipe famille. OK. Youn pas trahi l'autre. OK. Exactement, même les youn ta font erreur patouyel. Si sont étrangers au touyel. Yo yo bien traité nèg li en pile, li si tellement bien traité nèg li yo. Yo yo nan prison. Depuis le téléphone nan men, li continue gien contrôle base là avec téléphone nan men. C'est lui même qui c'est yo qui acheté zam pour base là. C'est lui même qui acheté cartouche pour base là et Jean-Renel Sénat, qui est sénateur, il a eu un avis de recherche derrière pendant qu'on est en prison.
Là, nous avons avis de recherche légal, non? Avis de recherche Texas. Gang Texas. Bon, tout comme les gens fait, yon même comme super intelligent, c'est lui-même qui négocie tout travail, il te mette en tête, c'est lui qui m'a pris au braquet, qui m'a pris au rivet sous yo. Et puis, yon te vient entrer dans le kidnapping. Okay. Donc, je ne vais pas citer nos autres gangs parce qu'il n'a pas parlé de yon. Il te vient en contact avec un autre gang dans la prison qui était puissant qu'elle à l'époque, qui vient pas rien devant yon après. Il te vient entrer yon dans le kidnapping, même yon ça toujours tellement intelligent. Li vin commencer entrer en dans une série d'institutions. Dans une grande institution dans l'État, côté que la baye moun machine, la fait moun cadeau terre, il fait moun cadeau pile gros cob. Que yon te vin faire pour moun kounya, yo te vin une formation facile. OK. OK. Yo te vin une formation facile, c'est comme ça. Yo te vin former base là. Prison quoi des bouc écrasé. Gen moun kal la dan yo vin changer, yo rele 400 maozo. OK. C'est vrai. C'est comme ça. Elle dit tout gros chef gang yon te vin gros chef gang nan, c'est dans prison. Mais là où t'as arrêté, c'est ton petit volet qui te menace, yon sénateur. Comprenez ça, m'dou l'an? Elle dit l'hypotro chef gang réellement. C'est ton petit loufou. Mais elle dit, c'est pas ta prison de condamner la vie. Donc, mon bail qui pas clèvre, non? C'est l'été menace un gros chef. Il te menace un chef de gouvernement. Il menace un chef de gouvernement. Il menace un chef de gouvernement. T'as dit bien, oui? Les gros bagages qui pas clèvre là-dedans. Et moi même alors bam qui était Shelson fin fait intervention hein, et puis après m'a ajouté ça gon bagay qui pas clair vraiment pour que ça tout focus ça pour que ça il relé juge dans téléphone force juge là fait pression sur juge pour être capable condamner à vie gon bagay qui pas clair entendez Shelson toujours qui était dans prison pénitentiaire nationale qui était tendé là yon a expliquer qui gens qu'il fait rive côté li entendez droit yon été violé dans moment il est pas violé dans moment arrestation parce qu'il était fait pour t'arrêter mais dans moment audition au niveau cabinet d'instruction doit être violé dans moment condamnation jugement dans moment jugement monsieur tu connais le droit être violé encore donc c'est pas défendre m'a défendre non oui même là on peut faire c'est lumière que n'a fait son dossier là tout monde qui font zac doit condamner mais seulement la loi dit comment pour ça faire. C'est pas un monde qui peut dire mais combien de temps pour bailler mon nom. Oui. C'est juge là. Vous sénateur tout pas capable de long juge. Capter ton dossier pour grave ça et déclarer ça. Mais qui juge qui est sous dossier ça? Nous pas connait. Et bien c'était comme ça. Yo lui même il était venu condamné et puis tout il était continué à faire comme dans prison, il contentait l'en faire l'argent, acheter balle, acheter matériel pour il était augmenter gang ni et puis tout faire comme. Yo même petit on va dire de gagner. OK. Yo te toujours sénateur Zoki qui court plusieurs fois pour Yo Senel plusieurs fois. Oui, sénateur a gagné raison de position tout oui, en face yon, parce que ville te vienne menacé. Non, non, sénateur de paye yon en tout. Oui, c'est normal. Moi même yo kembe moun déjà pour yo tuer. Attendez oui. Yo relé sénateur parce que moun nan se fami an komè yo bal chans. Ah bon? Gen yon moun yo te kembe pou yo te tuel, oui, yo met ton manchette en bakoul, c'était yon te royal for opération. Moun yo jwenn nan, ki te moun senatis la nan zone gantye, les fami yon tout, parce que moun yo gen koneksyon, yo gen bon lien. Yo gen koneksyon familial. Yo gen bon rapport. Moun yo te jwenn nan, moun yo te koui. Moun yo jwenn yo kembe ya, c'est ton ti moun. Ok. Yo met ton manchette en bakoul, yo fè photo le voye ba yon. Yon gade li di, malheureusement, majorité famille mission et famille qui dit la guerre. Donc, Zoki qui avec le sénateur Jean-René Sénatus, avec Yon Germaine Yolia, ou clairement dit c'est famille. Et base, ça, on parle de l'éducation Maozoa. À la base, c'est famille qui formé. C'est des mounes, même famille. Oui, bon, moi-même, tout ça m'a dit, yo, mais pas moun la pleine, c'est prison que t'es mené dans prison. Yon qui raconte yo. Dans toute prison, devant tout le monde. Et puis tout, m'a pas un petit, avec un autre dossier si nous permettez moi. Bon, si c'est la qui s'est chance, il va gagner pour yo sale non li. Donc, il va gagner chance, c'est pas seulement bon côté yon. C'est pas premier prisonnier. Qui est encore là? Ça qui encore? Gagne ancien ministre sport. Qui c'est M. Evans Lescoufleur?
qui parlait de lui tout en prison, là, je suis capable de citer des noms qui nous étaient témoins. Parce que là, nous étions dans greffe prison pénitentiaire, non pas tant pile. C'était moi-même, Gelson Sanon. C'était Clifford H. Brandt. C'était Woodley Etea, alias Sanson La Familia. C'était Robinson Pierre-Louis, et secrétaire Barreau. Avec ancien commissaire gouvernement pour DPA, M. Michel Vigil. Michel Vigil, oui, oui. Moi parlo de combien de monde qui était là que ancien ministre t'a parlé yon abu vérité que sénateur Zoki qui était fait li côté que te gon dossier corruption t'a enquêté sous ministère que lui même t'a dirigé yo relèl li aller donc yo retourné invité yo décidé pour arrêter et bien les avocats al rencontrer avec commissaire et bien malheureusement commissaire t'a dit pour ministre là s'il pas ka relèl fait madame ni relèl et bien malheureusement pour le patal en prison, c'est $10,000 américains le débat. Donc, ma parle, c'est pas moi qui dis le tout. Qui est-ce qui débat $10,000? C'est madame Evans Lescoufler. Qui est-ce qui débat, Lia? Qui débat, sénateur Zoki, qui le commissaire gouvernement à l'époque. Oh, ça veut dire que c'est chance qui va gagner pour le salon, non, vous comprenez? Madame ministre, débat, Jean-René Sénateur, qui est commissaire gouvernement, $10,000 pour le patal en prison? Ouais. Donc, monsieur Telfon, malheureusement, Haïti, son pays, d'après ça que moi-même apprendre. Je te vois une pénitentiaire nationale pour te finir avec. Oui, oui. Moi, finalement, je me rends compte que je finis plus fort. Ok. Il y a plus d'informations. Moi, je me rends compte plus fort. Parce que bon paquet de monde, surtout dans l'appareil justice, là, que un pile de monde prend pour monde honnête, mais moi, je apprends qu'on est. Malheureusement, la population en ignorance, nous ne parlons pas de bagaille. Majorité de monde, qui a un plus bel profil, c'est eux-mêmes qui pident un jour. Pis criminel, exactement, c'est ça. Vous suivez. C'est cancer qui est, mais malheureusement, en pile monde, sous ta présente, il y a un tel son mon juge, un tel son mon commissaire gouvernement, mais avec expérience pénitentiaire, moi, ouais, les ovignes avec tablier. Moi, connais ça, vous fait. Vous comprenez? Merci, Jason. Moi-même, moi, pas vous monter sur le monde, moi, juste parler pour pays, hein. Parce que nous avons un pays qui pour nous tous. Non, vous voulez. Je ne dis pas que c'est la thèse qui est coupable, mais je dis qui ça yon yon. Ou disons qu'on dit ça yon yon. Yon yon habitué à crier, yon yon qu'on relève le téléphone en présence, yon yon qu'on menace, yon yon retourne yon yon appel, yon yon tout numéro de téléphone yon yon. Gardez bien. Yon sait qui te gagne pile téléphone dans la prison. C'est la thèse tout numéro yon yon. De temps en temps, les enfants, ils connaissent les gens pour menacer les gens en prison en tout. Les peuples pour eux, partout les familles, les gens, ils ont lui-même à bérémissier un jour pour être capable de libérer. Parce qu'ils connaissent la façon goût. Ça veut dire qu'ils sont toujours en contact. Donc, merci. Et la justice fait lumière sur ça. Moi, ça y est, Miami Herald, Piga Moun mette en question article ça. Donc, Miami Herald, très bien frappé. Second monde qui t'a menti, c'est Taïon Yon, mais c'est pas le premier côté de faire mentir. Mais t'es au courant de mentir ça depuis 2014-2015. Merci à Pile Chelson Sanon. Merci à Pile la gueule là. Voilà, c'était Chelson Sanon qui était à fait une intervention sur le dossier et chef gang Katsama Ozoa et qui c'est Jemine Joly, alias Yon Yon, qui est finalement. Et pour lui condamner définitivement 24 juin qu'a venir là et verdict clap sorti mais déjà qu'on est condamné monsieur pour passer toute ville en dedans prison aux États-Unis d'Amérique parce que monsieur gagne pile charge qui aurait tenu contre lui et en pile charge et monsieur fait ouvrir mais définitivement monsieur est entravé c'est compliqué dans même monsieur c'est vraiment compliqué dans même monsieur. Et ok, bagay compliqué nan et m'capable di non et nan men monsieur. Mais parlant de Jean-René Sénatus, bagay la pi compliqué pour Zoki ki toujours parce que ça que nous joignent là, li gen possibilité pour que Sénatus ta va arrêter. Et parce que gang Katsama Ozoa li tellement et gagné des bagailles que la justice américaine reproche yo, yo tellement fait ressortir ça américain abus, yo tellement impliqué dans ces bagailles, yo vinn remonter sur monde qui était bay premier âme, deuxième âme, premier monde qui était de connivence avec et gang ça avant que le Katsama Ozo. C'est ça qui cause ouais non Zoki qui fait bruit que le fait a, et ben ça qui arrivé nous ouais que yon leur et pour DCPJ arrêté ancien sénateur Zoki qui
et puis par la suite ou t'avais ouais un petit avion sous piste aéroport international Maïgatéen pour ta extra des sénateurs là vers les États-Unis d'Amérique. Ça il y a pile possibilité, mais nous même nous qui t'il aussi mais nous déjà nous pas qu'à dire plus, et en plus de ça tout nous pas qu'à juger et condamner sénatus tout. Faut nous connaître ça parce que si yon c'est sénatus qui défaritel, c'est sénatus qui fait condamner yon pas jamais remet sénatus du tout. Mais qu'on est capable questionner tout qui ça qui cause sénatus te gen focus ça sur yon. Comme nous tant d'intervention Shelson non, pas besoin faire plus râler, mais peut-être nous plus ou moins gagnons idée de ça qui passe là. Voilà. Et à nous rentrer dans ça qui est pour avec installation et installation en dedans des mini justice là, nous retirer absolute France LB parce que sans ça ça nous pas bal parler. En nous tant des mini justice là et qui se met Carlos Ekel qui prend la parole pour te parler et présenté et nouveau directeur général la police qui se nomme Il Rameau. En dedans mettre Carlos Akil pour nous traverser dans et premier ministre Gary Conille et par la suite et président conseil présidentiel ou bien coulève cette tête là et pour avancer dans et de l'autre point qui nous était pour nous aborder dans l'émission ça on avancer pour nous tendre avec un peu d'intérêt parce que me dit nous très bien les gain possibilité pour Gary Conille font bagaille mais nous même haïtiens nous ca aider nous ca coincer là pour nous faire font bagaille parce que Haïti gen kan pile chance pour le moment. Oui, Haïti gen possibilité pour disparaître mais il gen chance tout pour pays apparaître net. Ça veut dire que ça. Ou pas gen sénateur gang nan là, ou pas gen député gang nan là. Blanc sanctionne un paquet, blanc dit ou pas gen doit parler et ou pas ka parler. Oligarque corrompu, blanc sanctionne un paquet dit ou pas financer pièce mouvement pour craser président pays a, yo pas ka faire. Ça veut dire que ça. Si Gary Conille gen volonté, la gon champ libre devant et puis juste craser coulève cette tête là seulement pour être seul comme premier ministre avec peuple là, et bien de fait ou a dit pour diriger pays a pour mener pays a bon port. En outre, et intervention ça, et puis n'a pas avancé dans le chapitre qui est intéressant. Il a fait ses classes à la PNH, plus particulièrement dans les services de renseignement de l'institution. De l'avis quasi unanime, l'on se plaît à reconnaître la minutie, la méthode et la rigueur avec lesquelles il a dirigé la direction centrale de la police judiciaire. Ce sont, j'en doute nullement, ces qualités qui l'ont recommandé pour diriger à nouveau la PNH, après qu'il eut gravi tous les échelons de la hiérarchie à la satisfaction de ses pairs et de la société. Son retour à la tête de l'institution est avant tout la reconnaissance de ses éminentes qualités de leadership qu'il saura mettre à profit pour faire retrouver à la PNH son identité et son âme de jadis. Ensuite, son sens du commandement et de la gestion pour insuffler à l'institution qui parfois tend à se disperser vers l'objectif qui a présidé il y a 29 ans à la création de la PNH. Une institution de service public au service de la population apolitique, neutre, impartial, dont la devise reste et demeure protéger et servir. Une fois de plus, monsieur le directeur général AI, vous venez de bénéficier de la confiance du conseil présidentiel et du gouvernement dirigé par son excellence le docteur Gary Conille dans une conjoncture encore plus difficile avec des défis encore plus grands. Et ça c'est pour le ministre là qui t'a passé et qui t'a remettre avec le nouveau directeur général de la police là qui s'est nommé Il Rameau et document ça qui c'est lettre de nomination du moins situation difficile et document qui ça là maintenant on attendait des pour le premier ministre là qui c'est le docteur Gary Conille qui te prend la parole dans moment et séance de et installation ça en avancé maladie a grand pile complication. C'est bon en science, médecine scientifique à médecine feuille, qui pour mettre tête ensemble pour nous guérir. Un bon docteur, ça n'y est pour nous faire, ce diagnostic-là d'abord. Fait examen tout de suite, après pour connaître qui médicament, qui dosage n'a pas administré malade-là. C'est un dialogue avec concertation, nous y faire choix.
monsieur Normil Rameau pour le directeur général par intérim la police nationale. Monsieur le directeur général AI de la police nationale d'Haïti. C'est avec un sentiment du devoir citoyen, un réel plaisir que je tiens d'une part à vous féliciter pour votre nomination à la tête de la police nationale d'Haïti et d'autre part à vous investir officiellement dans vos nouvelles fonctions. Ainsi, j'ai l'insigne honneur de procéder en ce jour à votre installation à la tête de la prestigieuse institution qu'est la police nationale d'Haïti de notre pays. Comme chacun d'entre nous le sait, cette cérémonie se déroule dans un contexte de profonde préoccupation au sujet de la protection des vies et des biens des Haïtiens. Depuis plus de 5 ans, Haïti fait face à une situation d'insécurité grandissante qui le met à genoux. Des gangs armés ont investi la plupart de la zone métropolitaine en pillant, enlevant, séquestrant, contre-rançon, torturant et tuant les compatriotes haïtiens et les étrangers. L'heure est grave. Point besoin de vous le rappeler, monsieur le directeur, qu'au moment de votre prise de fonction, le pays vit des heures sombres à cause du phénomène de l'insécurité. Les actes répétés de violence des gangs armés instaurent un climat de peur généralisé au sein de la population. Du citoyen lambda au plus haut cadre de l'État, personne n'est à l'abri de la fureur des gangs armés. Il n'y a pas plus de 2 semaines que 3 de vos confrères policiers étaient assassinés. Et ce matin, j'étais présent et j'ai participé à des funérailles émouvantes avec la famille. Monsieur le directeur général, ça fait trop longtemps que ça dure. Il faut que cela cesse. Monsieur le directeur de la police nationale, monsieur le directeur, la police nationale est le dernier rempart de la sauvegarde de l'autorité de l'État. À côté de l'armée, elle est la force chargée d'assurer la sécurité des citoyens haïtiens. Il est temps de procéder à l'inventaire et à la reconquête de nos espaces, car aucune entité, quelque puissante qu'elle puisse être, ne doit concurrencer l'État, seul détenteur de la violence légitime. Votre mission, monsieur le directeur général, est de faire face à faire de la police nationale d'Haïti ce qu'elle doit être. Cette force capable d'assurer la sécurité de chaque Haïtien. Pour l'essentiel, il s'agit de rétablir la confiance, de combattre la violence, de trouver des solutions urgentes pour qu'un climat de paix soit instauré de manière durable dans le pays. Les différents rapports soumis par les institutions qui travaillent dans le domaine de la défense des droits humains et des autres instances concernées font état à ce jour de plus de morts enregistrées à l'échelle nationale du pays. Dans ces conditions, nombreux sont les Haïtiens qui se trouvent contraints à laisser le pays pour d'autres cieux plus cléments, et ceci contre leur gré. Les différents gouvernements qui se sont succédés à la tête de l'État, depuis notamment l'assassinat du président Moïse, ont essayé d'apporter des réponses en vue de faire revenir l'ordre et la paix. Ce n'est pas malheureusement à chaque fois sans d'énormes difficultés qui sont liées au fait que les questions de sécurité sont devenues tellement complexes qu'elles sollicitent l'appui total et sans concession de toutes les forces vives de la nation. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ont le sentiment, ici comme ailleurs, que rien ne peut être fait de notre côté pour changer la situation. Je crois que non. Je crois sincèrement que nous avons les capacités qu'il nous faut, l'engagement qu'il nous faut, le patriotisme qu'il nous faut pour pouvoir faire face à cette situation collectivement. Je prends l'engagement de vous dire aujourd'hui, ce matin, qu'alors que la police nationale a un rôle clé à jouer dans la question de la sécurité, elle ne peut être et elle ne sera exclusivement la responsabilité de la police nationale. C'est une responsabilité collective que nous assumons avec vous depuis le début jusqu'à la fin. Monsieur le directeur général, vous aurez la lourde tâche de travailler à rétablir un climat de confiance dans l'esprit de la population. Celui-ci ne pourra se faire sur la base de mise en œuvre d'une stratégie qui se révélera efficace parce que du lieu du CSPN, nous aurons à collecter les informations, développer le savoir expert, nous assurer de la cohérence de nos actions et faire en sorte que la politique publique et la sécurité nationale soient mises en œuvre de manière plus optimale.
La collaboration dans les meilleures conditions avec les autres institutions de défense du pays se révélera essentielle dans la lutte pour le rétablissement du climat d'apaisement et de sécurité que nous appelons de nos voeux. Le pays a désormais les yeux rivés sur nous, Monsieur le Directeur Général. Il attend que par vos actions, vous lui donnez une raison d'espérer que la vie sera meilleure. Des appréciations pour votre parcours au sein de la PNH, surtout au niveau de la DCPJ, font écho dans tout le pays. Nous comptons sur vous pour que notre Haïti chérie reprenne goût à la vie, pour que le pays puisse être ouvert aux investissements, pour que la population puisse vaquer paisiblement à ses activités, pour que les mères et pères de famille qui souffrent pendant longtemps puissent vaquer à leurs occupations pour pouvoir nourrir leurs enfants. Tous nos remerciements vont aussi à l'endroit du DG sortant pour les sacrifices consentis et les efforts fournis. Parole hypocrite. En ces quelques semaines, je travaille à vos côtés. J'ai vu votre engagement, j'ai vu votre passion pour la police, j'ai vu votre détermination, j'ai vu votre cœur. Et je veux vraiment vous remercier des sacrifices énormes que vous avez faits au cours des derniers mois. L'État ici ne vous oubliera pas, Monsieur le Budget. Monsieur le Directeur Général, comme je l'ai dit tantôt, l'heure est grave et les défis sont énormes. Le gouvernement et moi mettrons à votre disposition tout le matériel et la logistique nécessaire pour vous accompagner dans votre travail. Soyez pour cela assurés de ma collaboration pleine et entière dans l'accomplissement de nouvelles tâches. Je compte sur vous et réitère au nom du gouvernement ma ferme volonté à travailler avec vous en vue de faire face à ces grands défis. Compatriotes, membres de la police, mon moment à vivre là pas sous-estimé. Mais par contre, depuis 2 semaines, moi là, effectivement, moi j'ai le sentiment que je n'ai pas avancé dans la bonne direction. La première fois depuis moi-même m'a suivi politique, des entités qui généralement a combattu une lotte, arrivé en Tanyo, y arrivé font compromis son type de gouvernement de transition, y arrivé en Tanyo son premier ministre, y arrivé en Tanyo son gouvernement, et je dis à n'arrivé en Tanyo son chef de la police pour continuer le travail que DGLB fait. Je me sentis un mouvement et je me sentis que la population commence à reprendre confiance dans nous. Son gros responsabilité liée. Qu'on est grand pile dans nous cap goumé depuis plusieurs années. Qu'on est grand pile dans nous cap fait un pile sacrifice depuis un pile année. M'a demandé nous kembe ferme avec nous. Kembe ferme. Nous pas loin. Nous pas loin et n'avancer. Nous comptons en pile que m'gain DG a accepté responsabilité pour le travail côte à côte même pour attaquer question insécurité à droite. Nous pas perdre une seconde. Nous pas perdre une minute. Nous avons commencé le travail tout de suite pour nous voir qui ça nous a fait. Un, pour nous renforcer la police, pour nous battre la police, tout ça a besoin pour le faire travailler. Pour nous rassurer les policiers, pour nous rassurer les familles policières qui accompagnent le travail. Ça. Pour nous garder comment nous avons intégré l'armée mieux dans le combat, pour nous mener. Pourquoi ça me senti? Et puis, hier, je suis intervention ça, beaucoup de nouveaux, et alors, et pour le ministre, là, et comme si vous me sentiez. La meya comme si gon yo très prudent nan parler de intégration la meya dans affaire bataille contre insécurité ya. Premier senti pour nous garder comment on a intégré la meya comme si franchement bon comme tout naturellement la meya la meya veut dire exactement ça veut dire ya et l'a pas eu la meya veut dire exactement moyen solide est-ce que vous parlez pour moi la meya moyen. Mais pour qui ça comme si m'a de la médaille pas ca opérationnel dans bataille contre gang et puis comme si gon forcing pour équipe ti voler sur côté sorti dans pays Kenya vient débarquer là tout sale tout senti fort tout voler parce que pas gagner pour venir ça pour venir faire c'est à venir chercher là même qui ça venir régler moi franchement m'ta ramener gon idée de ça n'est ça venir régler nous gè la médaille là nous capable moi seulement nous besoin en tant PM là une population comme partie prenante de effort n'a fait pour nous faire toute entité l'État et jouer Wallio, pour nous reprendre zone métropolitaine. L'histoire me conduit une nouvelle fois à la tête de l'institution policière à laquelle toute ma vie a été consacrée. Je ne saurais prononcer mon propos de circonstance à l'occasion de cette installation sans observer une minute de silence en mémoire des innombrables victimes de la terreur des gangs armés et criminels, tout spécialement en souvenir de nos policiers et policières qui ont été lâchement assassinés, dépecés, brûlés et humiliés. Une minute de silence, je vous en prie.
J'ai bien appris du passé et je suis bien conscient de l'exceptionnalité des conditions actuelles. Il s'agit de redonner le plus précieux espoir à toute une population, celui de recommencer à vivre en toute tranquillité et que le pays puisse redevenir, partout, dans ses moindres recoins, un territoire vivable. La force de la loi réduira en silence l'arrogance et la terreur des gangs armés et criminels. Ils seront neutralisés et démantelés. J'adresse mes remerciements à l'excellence, le président du Conseil présidentiel et les membres du Conseil présidentiel de transition, le Premier ministre, Dr. Gary Conin, pour la confiance placée en moi. Je ferai en sorte de ne jamais la démériter pendant ma mission. L'orientation et les objectifs qui me sont prescrits pour le rétablissement de l'ordre public, de la sécurité publique, seront ma principale boussole. Nous connaissons et puis nous conscients dans qui trahit la population. C'est plusieurs milliers de monde bandits criminels assassinés. C'est dividal femmes actifs qui violaient. C'est plusieurs dizaines de milliers de monde qui quittaient Kayo, qui décapitalisaient. C'est l'économie pays, paysans qui fin de pas fini. C'est l'école, l'hôpital, l'université qui démantelé ou bien qui pas qu'à fonctionner. L'isla Kalong, nous acceptons retourner la responsabilité. Nous pas qu'à dire, nous pas te connaître. Nous connaissons tout le temps, c'est pour action. Nous pas gagné ni pour nous traîner pied, ni pour nous trop presser. La police et la population doivent seul pour mener combat. Et c'est ensemble, n'a qu'à porter la victoire. Sem, frem, dame policier, moi sorti dans un trail, la police, là. Li gen 29 l'année. Moi gen même quantité l'année ça en dans li. Moi konnen souffrance yo. Moi vive mauvais condition yo. Sacrifice la vie nous vin pi lou chaque jour. Bandi ak criminel pa ka continuer touye nous, rache nous ak boule nous Jean Ovlé. Mais moi ça qui déjà tombé pa doué jambe effacée. L'institution la police là. Famille a besoin si pour qui loyauté qui plus gros sacrifice que un citoyen ak citoyen ka fè pour pays. Sa qui blessé, handicapé a besoin accompagnement yo mérité. Nous joine assurance bon côté autorité l'état central yo, président conseil de transition, premier ministre là. Yo d'accord déjà et yo gen volonté pile volonté pour yo accompagner la police là. La police là pral joine en pile moyen pour lui faire travail li. Nous bat bravo pour autorité centrale yo. Nous même nous tout bat bravo pour président conseil là et les membres du conseil et le premier ministre ici présent. Même condition travail ak la vie policier yo doit changer. Améliorer c'est pral yon nan pi gros choix le bataille nous. Policiers, policières, seul le faisceau d'unité et l'esprit de corps nous aideront à gagner cette bataille qui est livrée pour les criminels de tout acabit contre la population et contre l'institution policière. Nous sommes les détenteurs de l'exercice de la violence légale et légitime. Nous reprendrons le monopole aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, la mission de la PNH est de servir et protéger, s'inscrit plus globalement aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre l'impunité et la corruption. Ce fléau fait progresser dans le pays des trafics de tout genre, en particulier le trafic d'armes, de munitions et de drogue. La PNH sera en première ligne et le bras armé de la justice pour mener ce combat. La mission de la PNH ne pourra pas être non plus efficacement accomplie
sans l'engagement et le soutien de tous les secteurs de la vie nationale, médias, droits humains, politiques, économiques et la société civile en général. Les canaux d'échange et de communication avec vous resteront ouverts de manière permanente. Vos encouragements et vos critiques ont d'égale valeur pour nous. Mais éloignons-nous le plus possible de la désinformation et des méchancetés parfois qui ne feront qu'affaiblir moralement nos troupes sur les lignes de front. Le Premier ministre Dr. Gary Conille, le chef du CSPN, a eu à souligner que la restauration d'un climat sécuritaire doit rendre favorable la tenue des élections démocratiques et libres dans le pays. Sous mon leadership, la PNH ne sera pas au service d'aucun clan politique. Elle ne pourra pas être non plus manipulée ni instrumentalisée à des fins électorales ou clientélisme. Dans les soucis actuels, le seul impératif qui nous est imposé est celui des résultats. Parce que le principe disait, le souci des hommes, c'est le souci des résultats. Très bien. Seul le travail acharné le rendra atteignable. Et la mobilisation doit être à la fois nationale, institutionnelle, organisationnelle, internationale et citoyenne. Mettons-nous toutes et tous au travail. Et c'était docteur Al-Salor, c'était nouveau directeur général PNH, qui c'est Normil Rameau, qui était et président de Discoline dans le moment installation. Et il y a un peu de monde qui dit que, alors, Normil Rameau, monsieur va frapper fort, monsieur plus qu'il est déterminé, oui, fort, monsieur déterminé, parce que monsieur connaît finalement en face qui s'accueille là, mais m'a dit Normil Rameau, et ça gagne l'alphagile en pile, vous comprenez ni? Et les plus difficiles qui sont quittés là. Ça veut dire que au grand pile combat pour qu'on fait au grand pile combat pour qu'on fait pour que nous capables aider la police là. La police a ganglé gangstérisé pourri.